Bonjour, je suis François Audot, le président directeur général de Xylem France. Alors Xylem, au niveau global, c'est une société qui fait 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Mais dans ces 4 milliards de dollars, seulement 20% sont liés au bâtiment. Nous avons 12 500 employés à travers le monde. Nous sommes présents sur tous les continents, aussi bien au niveau de la production que de nos forces de vente et nos techniciens. Nos parts de marché sont faibles en Europe et donc nous avons la volonté de nous étendre dans ce marché. Notre vocation, c'est de résoudre les problèmes de l'eau dans le monde. Nous avons aujourd'hui un panel de produits qui couvre toutes les solutions liées à l'eau dans le bâtiment. Nous pensons donc aujourd'hui avoir le droit d'entrée dans ce marché et c'est pour ça que nous mettons beaucoup d'efforts dans ce marché-là. Le groupe Xylem a investi sous la marque Lovara en fabriquant de nouveaux produits, notamment des pompes à rotor noyé pour le génie climatique. Et également, nous avons revu toute notre gamme de pompes à rotor ventilé pour se mettre en conformité et aller au-delà des normes européennes en termes d'économie d'énergie. Nous travaillons en étroite collaboration avec les installateurs, les exploitants, et également avec nos partenaires distributeurs dans ce marché. Le salon Interclimat, bien entendu, est une opportunité fantastique pour nous de rencontrer beaucoup de prospects. Tous les acteurs du bâtiment sont vraiment contents de voir un troisième acteur rentrer dans ce marché au niveau de tout ce qui est pompage et notamment dans le pompage du génie climatique. Bonjour, Eric Garcera, Xylem France, business developer sur l'Île-de-France, Normandie. Donc, nous lançons sur Interclimat notre gamme de circulateurs EcoCirc XL, deux gammes de circulateurs à très haut rendement qui correspond à la norme 2015 et 2017, qui nous permet aujourd'hui d'arriver sur le marché avec des produits très haut de gamme qui correspondent surtout aux besoins des clients. Les besoins des clients, c'est qu'aujourd'hui, on peut directement avoir l'affichage du débit sur l'écran, l'affichage du delta P et de la consommation instantanée. Ce produit sert à véhiculer de l'eau dans des tuyaux, dans un circuit fermé, à véhiculer de l'eau chaude ou de l'eau glacée, voire même de l'eau chaude sanitaire. La réglementation thermique a imposé la variation de vitesse sur les circulateurs. Donc aujourd'hui, le groupe Xylem et la marque Lovara répond à ces exigences et donc nous permettent directement d'afficher et d'avoir un produit qui est conforme à la réglementation. La grande nouveauté, c'est qu'on a un entrée de gamme très simple d'utilisation. On affiche directement le débit dessus, directement le delta P. On a des fonctions surtout marche à sec. Le produit va détecter s'il y a de l'eau ou pas dans le réseau et s'auto-protéger. L'autre nouveauté aussi, c'est notre gamme de circulateurs domestiques EcoCirc. Basique et premium, la grosse nouveauté, le brevet Lovara, c'est un brevet, c'est la technologie anti-blocage qui permet justement de ne pas bloquer sur les bouts. Lorsqu'on est sur un circuit fermé, on a souvent des bouts et donc le circulateur a un peu tendance à se bloquer. Et la technologie Lovara fait que le circulateur ne se bloque pas. Ce qui caractérise Lovara, c'est la simplicité d'utilisation et la fiabilité.